Coucou tout le monde, c'est Maud, je vous retrouve pour le dernier unboxing parce que voilà, hein, à un moment faut que ça s'arrête quand même. C'est le dernier gain concours que je vous présente. Et j'ai participé au concours de la Demoiselle au cerf. C'est une chaîne YouTube. Comme d'habitude, je vous mets le lien. Ah, ça colle! Le lien de sa chaîne en barre d'infos pour que vous alliez y jeter un coup d'œil. Mais. Je suis vraiment pas douée moi avec les enveloppes la poste. Oh. Donc, je vais vous montrer le livre que j'ai gagné. Il est tout petit. Et en ce moment, j'aime bien les petits livres. Parce que franchement, quand je vois les grosses briquettes que j'ai dans ma palle. Alors, il s'agit de l'histoire d'une mouette. Et du chat qui lui a appris à voler. Et c'est de Luis Sepúlveda. Je n'ai, je crois, jamais rien lu de Luis Sepúlveda, même si c'est un auteur très connu qui compte parmi les classiques, il me semble. Et je n'ai jamais lu le vieux qui lisait des histoires d'amour, des romans d'amour. Bref, ce sera mon premier. Je sais que donc Laetitia, la demoiselle au cerf, a adoré ce livre, c'est vraiment un coup de cœur pour elle, donc c'est pour ça qu'elle m'a donné vraiment envie de le découvrir et je suis trop contente de l'avoir gagné. C'est trop génial, j'adore. C'est aux éditions Métayer, dans leur collection Suite. Et voilà, je vais vous renvoyer directement à sa vidéo où elle en parle. Ce sera plus simple, elle va en parler beaucoup mieux que moi, sachant que moi je ne l'ai pas lu, donc c'est compliqué de vous en parler. Mais c'est trop bien, merci beaucoup Laetitia, je suis trop contente d'avoir gagné ce livre. Et puis comme il est tout court, je pense que... Ouais, 120 pages. Je pense que il va se dévorer et je vais avoir moins de mal à le sortir de ma palle que mes grosses briquettes habituelles. Voilà, c'est tout pour ce petit unboxing. Je vais de suite remercier Laetitia et lui dire que je l'ai reçu. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une très bonne journée, de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.